9h à 19h et le samedi de 9h à 10h30. En dehors de ces heures d'ouverture, nous vous remercions de bien vouloir nous laisser un message avec vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler. Merci et à bientôt. Au revoir. Après votre... Donc le haut-parleur s'est pas mis en route et on n'entend rien. Et ça c'est le troisième exemplaire. Un troisième exemplaire. Et vous allez voir, ça va bloquer. Voilà, et ça passe pas au deuxième numéro. Donc ça c'est le même numéro qu'on vient fait tout à l'heure. Hein. 06 66 67 25 31. Donc c'est le même numéro qu'on vient de composer qui a marché en appel normal. Et là qui est bloqué, comme vous voyez, c'est complètement bloqué. J'appuie sur la touche rouge, je peux appuyer sur la touche rouge, ça ne fait rien. Je peux appuyer sur la touche SOS au dos. Je peux appuyer autant de fois que je veux, ça ne fait rien, ça reste bloqué. Voilà. La seule solution. Même si j'appuie sur la touche rouge, là je reste appuyé sur la touche rouge, ça fait rien. Donc la seule solution, c'est d'enlever la batterie. Ok, voilà. Je peux faire tomber le téléphone. Donc ça c'est un appareil tout neuf, un troisième que je viens de sortir de la boîte. Donc vous avez vu qu'on pouvait bien passer un appel, hein. J'ai remis, je vais le redémarrer et je vais vous faire voir le menu SOS. Je l'ai... Non, parce qu'il ne s'est pas rallumé l'ordinateur. Je l'avais juste éteint, mis à jour. Bah, attends, là je suis en train de faire autre chose, là, Véro. Attends. Je suis en train de faire autre chose, là. Je viens après, attends. Deux secondes. Voilà, je vais vous montrer. Donc, on va aller dans le menu. J'ai même essayé avec d'autres batteries, j'ai tout essayé. En se disant, la batterie est peut-être pas assez chargée ou batterie plus chargée. Il n'y a rien qui fait. Réglage mode SOS. Bien activé, comme vous voyez là. Voilà. Tour, réglage numéro, j'ai bien le 06 66 67 25 31 et en dessous mon propre numéro 06 12 91 44 49. Donc le numéro il reste bloqué, il appelle pas le deuxième numéro. Alors ça peut arriver que ça marche, on va réessayer encore une fois. Voilà, vous entendez pas, le haut-parleur s'est pas mis en route. Donc ce qui devrait se mettre en route pour entendre justement le message vocal, puisque là, elle est sur boîte vocale, ce numéro est sur boîte vocale. Donc là, ça s'est pas mis en route. Et si vous regardez bien au début de la vidéo, vous verrez que c'est bien le 06 66 67 25 31 que j'appelle avant. Donc et qui marche très bien. Qui donne son répondeur normalement. Marche très bien, voilà. Et voilà, rebloqué. Je rééteins, je réenlève la batterie et je vais vous montrer que je vais vous rappeler sans problème maintenant en composant le numéro normal. J'espère que cette fois-ci sera clair, que vous aurez compris, parce que ça fait quand même beaucoup de temps là. J'en ai un peu ma marre.
Allez, on redémarre. Et maintenant, on va refaire ce numéro-là. 06 66 67 25 31. Je vous laisse bien revérifier. 06 66 67 25 31. Et j'appuie sur touche verte. Hop. Là, on entend bien le son. Je vais mettre le haut-parleur main libre. Mince. Et voilà. Et voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, vous n'avez pas de haut-parleur. Normalement, vous devriez avoir le haut-parleur en main libre. Et là, vous n'avez même pas le choix de mettre le haut-parleur ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a plus rien. Là, c'est le SOS. Et donc ça, c'est un troisième exemplaire, hein. Je vais vous montrer. J'en ai un là, que je viens d'ouvrir. La boîte donc que je viens d'ouvrir, là. Ok. Et là, j'en ai deux autres boîtes, avec deux autres exemplaires. Voilà, qui ont le même problème. Voilà. Donc ça en fait trois exemplaires. Voilà.